Ok, nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, remercions Dieu d'être ici parmi vous. Parce que nous sommes la structure et toute motivation. Mais bien avant de commencer, nous allons donner la parole à l'assistante de Madame Laetitia. Mathilde Dumané, qui est sa représentante ici, elle va nous donner les mots de bienvenue. Elle va demander. Voilà les nouvelles. Donc, Madame Mathilde, nous sommes avec les responsables de la Fondation Edouro Motivation. Nous sommes dans vos murs aujourd'hui. Donc, vous avez la parole pour demander les nouvelles. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, les parents de la Fondation Edouro Motivation. Voilà, je suis Mademoiselle Diomonde Matinin. D'abord, avant de commencer, je vais parler un peu de l'orphelinat. Je vais vous présenter d'abord notre orphelinat. Voilà, nous sommes à l'orphelinat Dieu peut tout faire d'Agnès Lecro. Normalement, nous avons 102 enfants. Voilà, quand je dis 102 enfants, ils ne sont pas tous ici. Il y a des grands et il y a des petits. Le ministère est venu ici et ils ont trouvé que la maison était petite pour tous les enfants. Donc il faudrait scinder les enfants, les plus petits dans les coins et les plus grands dans les coins. C'est pourquoi on attend de faire des chambres ici pour pouvoir les séparer. Et quand elle va à Abidjan, elle va avec un groupe pour les vacances. Ceux-là sont déjà qui là-bas, ils sont venus. Elle est partie avec un groupe. Et il y a d'autres qui sont en ville. Voilà, ils ne sont pas tous ici, vu qu'on n'a pas encore eu la place pour accueillir tout le monde. Voilà. C'était en gros la petite présentation de l'orphelinat. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici à Agnès Lecro pour bien évidemment faire des heureux. Alors, c'est la première fois que nous arrivons ici à l'orphelinat. Dieu peut tout faire d'Agnès Lecro. Il faut rappeler que c'est la première fois que vous nous voyez ici. La structure Edouro Motivation a sillonné beaucoup d'orphelinats en Côte d'Ivoire. Nous œuvrons vraiment dans les actions sociales. Les orphelins aujourd'hui, ce sont nos... En fait, c'est notre cible. Et aussi les veuves. Habituellement, quand on arrive dans un coin, c'est que les vivres. Mais l'actualité nationale nous parle d'éducation sociale. Alors, nous ne pouvons pas rester en marge. Le premier responsable de cette structure, que vous ne connaissez pas certainement, qui s'appelle M. Dao Moulay. Voilà, c'est le papa de tous les orphelins. Aujourd'hui, il a décidé comme ça de venir vous visiter. Voilà. Donc, nous sommes venus avec des kits scolaires. Nous sommes porteurs d'un message. Les enfants, c'est à vous que je vais m'adresser. Le conseil que papa Edouro me charge de vous dire, c'est d'aller à l'école. Ce que la maîtresse va dire, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Et puis, quand vous revenez, certainement, elle va vous dire de faire vos exercices, d'apprendre les leçons. Quand vous arrivez à la maison ici, vous étudiez. Vous voulez être des directeurs de demain, non? Vous voulez travailler demain, non? Voilà, donc pour travailler demain, c'est d'aller à l'école. Donc c'est pourquoi nous avons envoyé ce sac-là, c'est pour aller à l'école. Ces livres-là, c'est pour aller à l'école. Donc je pense que tout à l'heure, on va faire la remise symbolique des dons. Et bien évidemment, on va voir aussi... ce que cache ce prestigieux cartable. Merci Mathy, merci pour l'accueil, merci aux enfants, merci aux mamans qui aménagent aucun effort pour rendre heureux ces enfants. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Ok, merci aux représentants de la Fondation Edouro Motivation. Déjà, Mathy, pour vous dire que dans ces cartables-là, nous avons un ensemble géométrique, il y a des règles, des équerres, des rapporteurs. Et ici, vous avez trois stylos et un crayon. Évidemment, ce n'est pas fini. Vous avez encore ici une boîte de couleurs et des crayons. Une gomme, un taille-crayon. Et vous avez trois cahiers de 200 pages dedans. Donc, c'est pour dire que c'est des sacs qui sont riches. C'est bien garni. À côté de cela, ça c'était pour les élèves du CM1, CM2. Ici,
ceux qui sont aussi dans le cadre du collège, on ne les a pas oubliés aussi. 6e, 5e, 4e, il y a aussi un ensemble géométrie. Il y a deux cahiers de 100 pages. Il y a des cahiers étudiants. Vous avez une trousse dans chaque cartable. Vous avez également un taille-crayon, crayon et les trois couleurs de Bic. Donc c'est pour dire que ces stylos-là, ça va les rendre intelligents aussi. Que Dieu vous les rende au centuple.